C'est un roman qui a été écrit par Jean Genet en prison en 1942. Et Divine, c'est bien sûr Jean Genet. C'est aussi pas Jean Genet. C'est-à-dire, c'est elle, c'est lui. C'est la même personne. C'est un être double qui contient en lui le masculin, le féminin. Et surtout, il contient en lui le désir, le rêve, l'amour. J'ai travaillé avec Daniel sur l'idée de ne pas être un travesti, surtout pas. Je lui demandais d'être lui-même, enfin d'être un homme, qui soudainement il met des chaussures à talons avec des vêtements d'homme, et donc de rester dans une véritable ambiguïté. Je ne lui ai pas demandé de changer sa voix. Il a une voix plutôt grave qui est la sienne. Et du coup, ça nous permet de voyager dans quelque chose qui est assez indéterminé, entre justement le masculin et le féminin.